Et bien bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Méline. Aujourd'hui, on va faire Pikachu et Croque-Mou des diamants ronds. Je vais faire les R. Ouais. Donc moi, je suis à côté et en fin de compte, j'ai reçu une nouvelle boîte. Donc du coup, je vais lui trier ses diamants. Voilà. Et du coup, c'est moi qui vais discuter. Parce que je pense pas que discuter de poupée Barbie et tout, ça vous intéresse de trop. Mais voilà, on va discuter... Oh, merde, mon stylo. Donc, on va discuter un petit peu. Pendant que Méline, elle fait son DP. Ah, par contre, les boîtes sont toutes neuves, donc très dures à ouvrir. J'espère que vous allez bien. J'espère que le tuto d'hier, enfin, la rediff du tuto d'hier vous aura plu. Alors, vous voyez, Méline, elle l'a déjà, hein, le stylet, elle l'utilise déjà. J'ai pas encore mis de vernis, rien du tout, mais bon, ça fait rien. J'ai écrit à l'envers. Tant pis. Bon, j'ai toujours pas eu de réponse du vendeur pour la couleur qu'il avait mal fait. T'as fini hier ? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il te faut ? Il me faut les N. Les N, c'est quoi comme nom ? N. 728. Ok, je te cherche ça. Je suis là. C'est bizarre, mais comme toi. 728. Oui, parce qu'en fait, pour l'instant, tout est comme ça encore. Vous voyez, on a juste vérifié, mais on n'a pas. On n'avait pas de boîte. C'est comme ça. 728. C'est où dans le 728? Il est où là? Maman. Ok. C'est ça? 728. Oui, vas-y. J'ai un petit peu avancé sur mon diamant painting. Et j'avais aujourd'hui envie de faire une vidéo sur ce diamant painting. Ok. Tiens. Et t'as dit que c'était quoi, le quoi? Le 728. Oui, mais la lettre N. N. Ok, vas-y. Hop, il y en a là. Bon, du coup, je fais un peu de bruit à côté, désolé. T'en avais qu'un? Oui. Tu m'as fait chercher ça pour un diamant? Mais j'ai pas de diamant, c'est tout. Attends, attends. Bah, regarde ce que tu veux faire d'autre. Essaye de prendre là où il y en a beaucoup. Les Y, on peut pas. Pourquoi les Y, tu peux pas? Bah, parce qu'on l'a pas. Ah, c'est celui que t'as pas, d'accord. Okay. Bah oui. Non, mais j'ai rien dit, vas-y. Les 3. Où ça? Alors, il y en a. Il y en a ici. Attends, sinon tu peux faire tout là. Alors, par contre, c'est quoi? Ouais, c'est le numéro 3. Parce que 3. 902. 902. Tiens.
902. Donc il va falloir que je recommande la couleur qui me manque là. C'est vraiment chiant parce que ils me répondent pas. Donc il va falloir que je repaye juste pour un sachet quoi. Juste pour un sachet, franchement c'est chiant quoi. Qu'est-ce que vous faites quand c'est comme ça? Quand ils vous manquent, enfin, ils se sont trompés et le vendeur ne vous répond pas, vous faites quoi? Pour moi, personnellement, j'ai mis une mauvaise note. Quoi. Enfin, ça fait plus. Enfin, fait depuis quand? Ça fait plus de 15 jours maintenant qu'on a reçu le diamant painting. Donc, dès qu'on l'a reçu, j'ai envoyé un email. C'est marqué comme quoi il l'avait lu, hein, l'email. Hein. Mais il répond plus. Donc forcément j'ai mis une mauvaise note. Alors je suis pas du genre à mettre des mauvaises notes et tout ça à des vendeurs, mais là c'est un peu se foutre de moi quoi. Surtout qu'il a vu le message, donc c'est ce qui me saoule le plus. Pour recommander pour un sachet, ça m'embête aussi. Mais c'est vrai que les couleurs ne sont pas les mêmes, quoi. Ce qu'on a reçu, c'est un orange. Et ce qu'il faut mettre, c'est un marron. Vous voyez, donc... Après, il n'y a qu'un sachet, il n'y en a pas beaucoup. Donc franchement, je ne sais pas quoi faire. Ah, à chaque fois je les mets à l'envers, attends. Donc j'ai pris la technique de Marilyn, prochain tiers, je mets au crayon de mineur. Ça évitera de remettre des étiquettes tout le temps. Bon, je pense qu'elle n'aura pas cette petite boîte, mais ça fait rien. Moi, il me reste un peu de boîte sur mon link. Donc, je rajouterai des petites boîtes avec mon link. C'est bon? Donc on va essayer de faire une vidéo, peut-être pas toutes les semaines, mais ça sera le samedi. Par contre, hop, comme ça Méline, parce que sinon il y a la lumière de la tablette qui n'est pas très agréable quand on regarde une vidéo. C'est bon. C'est bon? Alors tu regardes et tu me dis le chiffre qu'il te faut.
d'été? Ben, si c'est marqué été, oui. 301. 301, ça c'est quoi que tu faisais? Numéro 3. 3. 301. Mais t'as besoin de tout. Ils vont où? Alors, il y en a un là. Attends, là. Je vois pas. Ah, ok, donc c'est dans le marron. C'est dans le marron? Ben, je pense. Donc on est tout fait, ils sont rangés. Et vite, il est où? C'est le dernier que je prends. Il n'y a qu'un sachet? Oui, il n'y a qu'un sachet. C'est que tu ne vas pas en avoir beaucoup. Hop, tiens. 301, et c'est quel symbole? T. T majuscule? Là. C'est bon? Oui, il n'y en avait que 4. Ok. Qu'est-ce qu'il te faut? Après, il y a 3 planètes là. 3 planètes? C'est-à-dire? 3 mini-planètes. Ah, d'accord, je vois. Là. Okay. 938. Moi, j'ai la bonne planète. 938, tiens, il est là. Non? Attends. Quelle planète? C'est celui-là? Ouais. Ah, tu t'es trompée? Oui, je me suis trompée la dernière fois. Mais ça fait rien. Hop. Au moins, tu vas le mettre dedans. Voilà. Tiens. Donc, 938. Et ces petites planètes. Oui, parce que j'avais déjà commencé un peu à les mettre en... C'est tout? Non, on n'avait que 3. Si on a... 900. Après, tu veux quoi? J'arrive pas à voir. On dirait un plus ici. J'arrive. Parce qu'il y a, il y a des plus, mais là, j'arrive pas à voir. Ça c'est ce symbole là. Toi c'est avec, c'est un Y mais avec deux barres. Donc 38-58. Donc ça est juste là. Devant toi. 38-58.
Hop, et après on va arrêter. D'accord? Donc tu fais attention, c'est un Y avec deux barres. Ça, c'est un Y avec deux barres. Ah, il y en a. Il y en a beaucoup là. Il y en a pas un petit peu. Je crois que c'est un V avec deux barres. Mm-hmm. Voilà, attends. Regarde encore une fois. Oui, c'est bon. C'est bon? Ok. Bon, on va s'arrêter là. On se dit à la prochaine pour... Oui. Une nouvelle vidéo sur Croque-Mou et Pikachu. Voilà, pour que Méline vous montre son avancée. Donc c'est comme moi, elle va le faire de son côté et puis de temps en temps, elle vous montrera son avancée. J'espère que c'est... Oh, ça fait rien. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que... voilà, que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. À la prochaine.